Yo les amis, c'est Frouzia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et j'espère que cette vidéo là va vous plaire. On se retrouve pour une nouvelle Squad Builder sur ma chaîne. Et ce Squad Builder, c'est un Skill Builder plus précisément, avec un trio d'attaque Kishna, Zarate, Kario. Donc on va commencer par le gardien Andanovic, acheté pour 2500 crédits. Un des meilleurs gardiens de jeu selon moi, avec des 3 grosses stats à 87, 11 matchs, 1m93, vraiment très très bon. On passe à la ligne défensive, défenseur gauche, Alex Telles. 1m80, élevé moyen, 11 matchs, une passe D, 500 crédits, des stats hyper complètes pour ce joueur. Je crois qu'il vient de Galatasaray, mais je suis pas sûr, dites-moi dans les commentaires. Miranda, 1m86, 138 matchs. Bon, lui, j'ai un peu triché, j'avoue, il était dans ma série avant. 67 de vitesse, 86 défense, 80 de physique, des très gros stats, c'est la version non-up. Après, c'est Paolo Oliveira, acheté pour 950 crédits, moyen élevé, 1m87, 73 de vitesse, 84 de défense, 67 de physique, des très bonnes stats défensifs et une très bonne vitesse à noter. La petite pépite argent de cette équipe, c'est Nelson Semedo, 900 crédits, 11 matchs, 1m77, assez petit, c'est vrai, mais pour un mec de couloir avec 70 de physique et 72 de dribble, 87 de vitesse, 74 de passe, 66 de défense, deux stats très très homogènes, je trouve, pour ma part. Gary Medel et Fernandez, William Carvalho pour le milieu de terrain. Medel, voici ses stats très très complètes, avec une grosse stat en physique, malgré sa petite taille, c'est ça qui fait la différence au milieu de terrain. Numéro 10, MC, Mathias Fernandez, que je kiffe énormément sur ce jeu, 4 buts, vous allez voir, il m'a mis un ou deux buts de folie, vous allez voir à la fin du match, à la fin de mon commentaire, excusez-moi. William Carvalho, 11 matchs, 7 buts, 3 passes D, offensivement, très très bon, défensivement, pareil. Il est vraiment très très fort. Après voilà, mon attaque, Kishna, en 12 matchs, beaucoup de passes D, pas beaucoup de buts, c'est vrai, mais il apporte beaucoup, techniquement 5 étoiles, 1m87, très très grand avec sa vitesse, ça rend pas mal. Moro Zarate, 12 matchs, 9 buts, 8 passes D, je dis rien. Voilà, dès ces stats, je dis rien, c'est un surkiff. J'arrive mieux à jouer avec des joueurs comme ça qu'avec des Suarez. Après voilà. Kario, 11 matchs, 4 buts, 3 passes D, 1m80, 5 étoiles gestes techniques. Voilà, c'est vraiment une très bonne équipe skill. Donc si cette équipe vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert, un commentaire, ça ferait extrêmement plaisir. Maintenant on va passer aux phases des gameplays. Je vous dis à la prochaine, c'était Fozzy. Bye tout le monde.